Comment allez-vous aujourd'hui, ma chère Bernadette? Mais très bien, et vous-même? Écoutez, plutôt bien, plutôt bien. Alors dites-moi, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, figurez-vous, chère Bernadette, que je suis Bernadette Enquête. J'adore. Vous voulez en savoir plus? Ah ben bien sûr. Alors, je vous ai prévu comme petit livre pour ce jour, L'Empreinte, un récit de Alexandria Marzano-Lesnevich. Tout ça, déjà tout un programme. Récit donc américain. Alexandria est elle-même la narratrice de cette histoire. Et voilà, donc c'est une, à l'époque, étudiante en droit qui se bat contre la peine de mort, persuadée donc d'être contre la peine de mort. Aux États-Unis, on sait qu'elle est encore d'actualité dans plusieurs États. Et qui va donc travailler en tant que stagiaire dans une association qui défend des criminels condamnés à la peine de mort, à la peine capitale. Elle arrive dans cette association, elle voit une vidéo de Ricky Langlais, qui est un pédocriminel qui a été donc condamné à la peine capitale, et en le voyant à la caméra, elle se dit « je désire qu'il meure, je veux qu'il meure », c'est la première chose qui vient. Et en fait, ça remet en cause toute sa vision du droit, et sa vision aussi de sa propre histoire familiale. Et elle va donc partir en enquête, d'abord sur la personne de Ricky Langlais, essayer de comprendre d'où il vient, comment est-ce que les services sociaux, les services de police ont pu, à certains moments, défaillir, en fait, dans le cadre de son parcours. Et en parallèle, elle fait aussi toute une enquête sur sa propre histoire familiale, les incestes qui se sont perpétrés à travers les générations et sa propre résilience. Donc c'est un récit qui est vraiment fascinant parce qu'il il aborde la pédocriminalité à la fois d'une façon très intellectuelle. Il y a une réflexion sur le droit aussi qui est passionnante. Ce fait qu'on croit que le droit dit la vérité, mais pas nécessairement. Le droit est aussi une façon de voir les choses, une façon de voir les histoires. Ça raconte une histoire. N'en dites pas plus, Bernadette. Pouvez-nous lire un extrait? Avec grand plaisir, ma chère Bernadette. Toutes ces causes possibles sont des causes directes. Les causes directes se multiplient à l'infini. L'idée de cause adéquate apporte une solution. Le travail de la justice consiste à déterminer la source de l'histoire afin d'assigner les responsabilités. La cause adéquate est la seule qui compte vraiment du point de vue de la loi. La seule qui fait que l'histoire est ce qu'elle est. Dans mon souvenir, il y a une salle obscure, à la gueule ouverte, telle une grotte, avec des barreaux fluorescents qui luisent faiblement au centre de l'orifice. Sur les murs, des rangées de livres reliés de cuir, du sol au plafond. Les couleurs ternes de leurs tranches font alterner le bleu d'un vieux drapeau, le vert de l'océan, le rouge du sang séché. Les livres sont des registres légaux, les mêmes ouvrages que l'on retrouve dans la bibliothèque de tous les cabinets d'avocats du pays, qui contiennent des décisions de justice datant d'il y a des décennies. Chacun d'entre eux contient d'innombrables histoires, d'innombrables vies. Qui a fait quoi et qui on a fait payer? Voilà, très chère Bernadette, j'espère que... Ça donne envie. Voilà, voilà, voilà. Et vous, ma très chère Bernadette, quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis Bernadette gourmande. Voilà, avec ce livre, donc, qui est un roman qui s'appelle « Une soupe à la grenade » de Marsha Meran. Ou Meran, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, qui me met l'eau à la bouche, ma chère Bernadette. Pourriez-vous m'en dire plus? Alors, c'est l'histoire de trois sœurs qui vont fuir la révolution en Iran et qui vont débarquer d'abord en Angleterre et puis dans un petit village irlandais où elles vont reprendre un petit café et en faire un restaurant et un café également sur la place du village où elles vont faire découvrir toutes les saveurs, les odeurs, les couleurs de leur pays d'origine aux habitants qui ne sont pas toujours friands de nouvelles arrivées dans le village. Donc on va avoir les habitants plutôt en retenue, qui regardent aux fenêtres, d'autres qui vont les accueillir à bras ouverts. Et c'est un roman qui se lit assez facilement, mais qui toutefois a une histoire quand même profonde avec ces deux mondes qui se rencontrent et qui créent de belles surprises. Ce qui est intéressant également dans ce livre, et qui est très chouette, c'est qu'entre chaque chapitre, on a une recette de cuisine, ou même pour réaliser des boissons. Par exemple, ici, on a la recette de la gaucht. Alors, on ne sait jamais comment prononcer. Et donc, elle nous parle d'ingrédients et tout ça dans le livre, et on peut, à notre tour, réaliser les recettes et se sentir propulsé dans ce petit village, dans ce petit café, avec les trois sœurs. C'est génial. Ça me semble très savoureux, chère Bernadette. Pourriez-vous nous lire un petit extrait? Bien entendu. Elle stabilisa son lourd plateau et poussa les portes battantes.
Le père Mahonnet, debout devant le mur orienté nord, passait ses doigts sur le tapis qui y était accroché. Extraordinaire, absolument extraordinaire. C'est fait à la main, j'imagine. Oui, ça vient d'Iran. Vous savez, chaque région a ses propres motifs. Chaque famille tribale tisse son histoire dans ce tapis et transmet ainsi ses secrets d'une génération à la suivante. D'une certaine façon, on pourrait dire que ce sont des tapis magiques. Enchanteur, s'exclama le prêtre. Marjane sourit en posant le plateau sur la table. Elle remarqua que sa tasse de thé au jasmin était déjà vide. Voici l'algoche que je vous avais promis. J'espère que vous l'aimerez. Oh, j'en suis sûre, vous êtes trop gentille. Mon Dieu, mais quel parfum, vraiment. Cette abgoche ne serait pas un plat portugais par hasard? Quand j'étais jeune, j'étais plutôt fin connaisseur en cuisine portugaise. C'est pour ça que je vous le demande. Le père Mahonnet se rassit devant le plat, et quand il posa les yeux dessus, il oublia instantanément la réunion du comité pour laquelle il n'allait pas tarder à être en retard. Bien écoutez, chère Bernadette, je vous propose qu'on parte dans un petit café sur ces bonnes paroles, découvrir de nouveaux savons. Allons boire une petite tasse. Allons boire une petite tasse. À la prochaine. À la prochaine. C'est bien comme ça?